Reparti pour la suite de notre aventure sur Ni no Kuni 1, la vengeance de la sorcière blanche, ou Wrath of the White Witch, qui est dur à dire en anglais, et qui a été traduit en français par la vengeance de la sorcière écarlate, parce que les mecs apparemment ils savent pas parler anglais, les mecs qui ont traduit le titre. On en était où? On devait aller libérer le gardien de mes couilles. Et donc, on s'était fait buter, on a perdu tout notre argent, 36 florins qui sont partis en vrille, génial, ce qui fait que j'ai 36 florins de retard sur le jeu. Et en plus de ça, bah... Mon almana... Non, comment je balance des sorts? Voilà, c'est X. Soignons-nous. Avant le combat. Allez. Sylvain, attaque. Fais le café. Allez Sylvain. Ça sert à quelque chose. Tu sers à rien. Tu es nul. Fireball. En gros, tu pourrais balancer ton sort plus vite, hein. Mais bon. Quand même. Alors du coup, on s'était planté de passage. Fallait pas monter là, fallait aller là. Je me suis complètement planté de chemin. Ça perd les popettes. Je savais bien que j'avais oublié de te dire quelque chose à propos des familiers. Ah, quoi donc? C'est très important, mon petit Rudy. Alors on peut bien être des grandes oreilles, d'accord? Je t'ai montré comment tes familiers peuvent utiliser leurs talents, n'est-ce pas? Eh bien, au fur et à mesure que tes petits amis deviennent plus forts, ils en apprennent de nouveau. Ça s'appelle des sorts. Enfin, plus ou moins. Les talents sont pas tout à fait comme la magie, tu vois, chacun des talents. Appuie sur Spock quand tu seras dans le menu Amis et Familiers pour assigner des talents aux emplacements de commande. Et pendant que j'y pense, un familier ne peut se souvenir que de 8 talents à la fois. Comme pour les Pokémon, sauf qu'eux, ils en ont que 4 et pas 8. Ouais, c'est en plus, c'est vrai, il y en a 4 pour les Pokémon. Si tu veux qu'ils en apprennent un autre, tu vas devoir lui offrir oublier un, c'est bien dommage, mais tu peux prendre de nouveaux talents à tes anciens familiers. Bref, le plus important, c'est d'assigner les talents que tu veux utiliser aux commandes de ton familier. Et oui, Jamie. D'accord, je crois que j'ai tout compris. Je crois que je vais me soigner. Ce n'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là que je voulais utiliser, bordel. C'est celui-là. Et j'ai plus de points de magie. Comment je restaure mes points de magie? J'ai vu qu'on pouvait... Dans le sac, il y avait des trucs. Le pain blanc moelleux, qui semble ne jamais rassir, de consistance légère, il est nourrissant mais pas lourd. Ça restaure des PM. Je sens que ça va être très la ruine au début, au niveau de la magie. Je sens qu'on va se faire défoncer rapidement. On va faire des combats histoire de pexer un peu parce qu'on fasse pas comme Tales of Bessaria et qu'on se retrouve bloqué comme des gros cons. Attends, non. Ouais. Et qu'on se retrouve comme des gros cons à pu pouvoir avancer dans le jeu à cause de l'XP. Ah mais ils sont pas morts. Attaque, Sylvain. Pikachu. Sylvain du Riff. Attaque théorie du complot. Voilà. Enfin t'as compris qu'il fallait XP. Non mais Tales of Bessaria, dans Ni no Kuni j'ai jamais eu ce problème, alors que dans Tales of Bessaria je me disais bon allez je vais faire comme dans Ni no Kuni 2, je vais faire le... j'ai pas besoin d'XP, je vais gagner assez d'expérience et assez de level au début, pendant l'aventure pour faire tout le jeu. Mais en fait non, faut XP dans un jeu, mais celui-là ça va être encore pire parce qu'à mon avis Ni no Kuni 2 a été, je dirais pas simplifié, mais a été disons fait pour être plus simple que le premier. Le premier m'a l'air plus hardcore. T'as jamais eu ce problème, MDR? Bah, pas dans le... Tu te rappelles de ton meilleur ami, le robot? Ouais, ça arrivait une fois, et puis au final, je me suis rendu compte que c'était pas à cause de l'XP. Pas totalement, en tout cas. En partie à l'XP, mais j'avais un ou deux levels à prendre, et puis je suis parti, je suis sorti, j'ai pris 2-3 levels, je suis revenu, puis voilà. Hein. Alors que dans Tales of Bessaria, j'ai dû pexer pendant plusieurs heures, hors ligne, pour pouvoir continuer le jeu, quoi.
Mais je me fais rect. Attends Sylvain, je prends ton contrôle, tu permets, il faut que je récupère de la vie. Il peut servir à quelque chose là, l'autre là. C'est chiant d'avoir... Attends, voilà. Mais putain! Mais non, je venais de me nourrir, putain! Mais non, non. Ah putain, ça Chronos, il faut que t'en fasses un clip de ça, hein, sans déconner. Putain, mais je perds encore du fric. Je perds tout mon pognon à chaque fois. Puis je recommence là, donc je perds le pex que j'ai eu, bien évidemment. Sinon, ça serait pas drôle. Ah ça, faut que t'en fasses un clip, sans déconner, hein, de ce que je viens de faire, là. Ah là là, putain. Sylvain atteint le niveau 4. C'est bien. Putain, cette mort de mort que je viens de m'avoir... Enfin, cette mort de mort, cette mort de merde. Non, mais va chier. Lâche-moi, lâche-moi. Putain. Ah non, mais ça va pas le faire si je me fais attaquer tout le temps. Et puis en plus, je me meurs comme une caca, là. Il aurait pas pu se... Utilise ton ta compétence P parce que là ça va pas le faire. Il faut que je récupère la vie là. Voilà. J'ai récupéré un Sunday, ça n'a rien à foutre dans cet univers. Mais t'es sérieux? Mais y'a combien de monstres toutes les deux secondes là? Oliver 0, Gambada 1. Super clip! Ce magnifique clip. Après le live, on ira regarder. Ah, cette mort de merde que j'ai eue. Ah, cette fois-ci, je me ferai pas avoir. Si au bout d'un moment, je dois fuir, je fuirai. Hein, rien à foutre. Hein. Filez-moi des orbes aussi, bande de bâtards, là. Le mec il dit, ah t'as un familier, va aider le gardien, il est, même s'il est puissant t'as un familier, moi mon cul ouais. Par contre c'est, on se fait tellement agresser dans cette forêt. Mais c'est horrible. Non. Non, attaque pas, mais putain. Mange t'es mort. Voilà, redonne moi de la vie s'il te plaît. Pourquoi je prends plus d'XP? C'est quoi ce bullshit? Vas-y, tombe par terre. Ah, merde. Ah, enfin, on peut sauvegarder. Enfin.
Ah là là, c'était d'une grande imp le truc. Je reviens, 2 minutes. Me revoilà, donc désolé, j'étais parti vérifier un truc, parce que j'ai entendu du bruit chez moi, enfin chez moi, dans le bâtiment où j'habite, et j'étais allé vérifier c'était quoi ce bruit bizarre qui n'a pas lieu d'être. En fait c'était juste un piaf à l'étage au-dessus, c'est tout. Attends mon petit gars. Hey, qu'est-ce qu'il y a? Écoute ça mon pote, quelqu'un vient. Mais je n'ai... C'est lui, nom d'une fée, c'est le gardien. Oula, je sens qu'on va... Oh là, il va se faire bouffer le machin là. Ah le non-respect, hop, dégage. Il te l'a jarté le machin. Il te l'a défoncé. Le gardien de la forêt, défenseur dévoué de la forêt. Ah cool, du coup, il nous aime bien, ou pas. Il va pas nous aimer, je pense. Attaque, petit caca. Vu comment l'autre truc il s'est fait défoncer, lui il va voler en 2 secondes, je pense. Normalement. Oh oui, d'accord. Paye ton attaque qui sert à rien. Et tu peux pas réagir en direct aux attaques, c'est trop chiant. Et on perd quand même de la vie quand on se défend. Donc où est l'intérêt de se défendre? Et puis lui, il continue d'attaquer toutes les 2 secondes. À part perdre de la vie, je vois vraiment pas ce que je peux faire. C'est d'une connerie. Oula, ça sent aussi mon petit Oli, il faudrait que tu te défendes. Tu vas pas comment te défendre si tu dis ça ou tu vas finir en miettes. Surveille ta garde. D'accord, en gros, la défense est surtout pour les grosses attaques, quoi. Voilà. Mais pourquoi il balance des orbes à côté du boss? T'es sérieux, là, Pépito? D'où il m'étourdit, je me suis défendu pourtant. Aïe. Mais arrête de balancer des orbes à côté du boss. Mais c'est d'une merde, sans nom ce truc.
What? Regarde mon petit Oli, cette grosse bébête s'est épuisée toute seule, profite de l'occasion pour lui faire qu'une bonne raclée. Hello, ça n'a rien à voir avec le 2 les combats, lol. Non, rien à voir. C'est un semi-tour par tour. Alors en gros, si tu viens d'un, si tu connais pas le jeu, je vais t'expliquer vite fait. En gros, c'est comme du tour par tour à la Final Fantasy, Dragon Quest, et tout, etc. La seule différence, c'est que tu dois esquiver en temps réel, tu dois te défendre quand il y a des grosses attaques, mais ça reste du tour par tour, enfin pas du tour par tour, mais c'est proche d'une mécanique de tour par tour. Merde, non. Bon bah je me suis étourdi tout seul, c'est bien. Il va me foutre une de ses tatanes. Ah non, il a raté. Mais effectivement. En tout cas, ça fait plaisir de te revoir. Sur le stream. Défense. Défends-toi. Alors là, je suis en chance, donc il faut que j'attaque parce qu'en gros, il s'est fatigué tout seul. Et je lui fais masse de dégâts quand il est comme ça. Chouette, une arme d'or et ce bijou restaure tout... Ce bijou de bijou restaure tous tes PV, figure-toi. En plus de ça, ça te permettra de sortir une mode secrète qui n'utilise pas de PM. Alors dépêche-toi de la ramasser. Bah, elle est où l'orbe? Ah oui, elle est à côté du boss, quoi. Je peux pas la ramasser? Ah bah voilà, c'est bon. Ah bah je vais la... Allez, Kamehameha. Je vais lui balancer le Kamehameha. Et comment on voit que c'est ton tour? Il y a pas de barre de time? Oui, ça faisait longtemps. Non, c'est pas un tour par tour, ça ressemble au tour par tour, j'ai dit, dans les mécaniques avec les choix des choix entre attaque, défense, sort, mais c'est du temps réel aussi. En fait, ils ont fait un mix entre du temps réel et du tour par tour. Tu choisis tes attaques, ta défense et tes sorts comme du tour par tour, mais tu dois esquiver et tu déplaces ton personnage en temps réel. Et c'est pour ça que c'est compliqué. Dis-toi qu'on est au début du jeu, là, ça fait deux fois que je suis mort déjà, deux fois. Vous avez reçu une page décrivant le gardien de la forêt. Ça y est, t'es plus vénère? Allez, vas-y, rentre chez ta mère. Ah bah je lui ai dit de rentrer chez sa mère, c'est ce qu'il a fait. Eh, ça perd les popettes, on a eu chaud mon poteau. Le gardien, il s'est dirigé vers la partie la plus profonde de la forêt, tu crois qu'il a retrouvé son état normal? J'en sais pas plus que toi mon pote. Mais au moins, il n'a plus cette lueur bizarre dans le regard. Je suppose qu'il va prendre un peu de repos pour se remettre les idées en place et qu'il reprend ensuite ses activités de gardien. Ou alors qu'il va se bourrer la gueule au bar Cronenbourg du coin. Mais qu'est-ce qu'il a de tourneboulé comme ça? Mais c'est quoi ces expressions, putain? Ça fait déjà trois fois, bordel! Qu'est-ce que c'est que ces expressions de québécois, là? Tu ne crois pas que c'est... Bien sûr que si, ça sentait le chadar à plein nez. Mais j'ai pas vu son pote, là, Aimantard et Comptard. On a intérêt à surveiller nos arrières si on s'enfonce dans d'autres forêts. Ceci dit, il y a des gardiens partout. Quoi qu'il en soit, on fait ce pour quoi on était venu. On ferait bien de retourner voir... L'arbre mojo, d'accord? Ok, allons-y. Gardien de la paix, succès déverrouillé. Par sa sérénité retrouvée, le cœur du gardien a brisé un sceau de l'almanach du magicien. Eh ben, ça me fait une belle jambe. Vous avez reçu un nouveau conte merveilleux. Mais qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Je sais pas. En quoi ça sert les contes? J'en sais foutre rien. Oh, tu es bien sorti. Tu t'en es bien sorti, gardien de la forêt calmée. Et j'ai trouvé ce que je cherchais, mais d'abord un cadeau en guise de remerciement. Ah, le kappa, cool. L'arbre mojo. Ouais, mais il n'a pas de vagin. C'est l'arbre mojo avec une tête de canard. Mon dieu, un cube de Tetris. Ou pas. Qu'est-ce que c'est que c'est? Stone Sensei. Il s'appelle Stone Sensei, le machin. Oh mon dieu. La fiole. Non mais on n'est pas venu pour une fiole à la base, hein, tête de gland. Hein. Oui, enfin si, pour les trucs des cœurs humains, mais on est venu pour une baguette aussi, non? Tu es un sorcier, Harry. En fait, normalement, à la base, je crois qu'on était venu chercher une baguette. Mais on s'est planté, on est allé voir l'arbre mojo, mais on aurait dû aller voir Ollivander, au chemin de traverse. Ça n'a jamais été aussi approprié l'expression vieille branche. Ah,
Ça, tu crois que j'ai que ça à foutre de venir te revoir? Plus tu fais peur, je suis sûr que je vais avoir des cauchemars. Non. Ah, le retour à Carabas. Carabas qui ne se situe pas du tout même au même endroit qu'avant, par rapport aux deux. Vous pouvez à présent accéder à la stèle du savoir, depuis le menu principal. Ça fait quoi? C'est quoi? C'est genre... vous avez reçu une page décrite de sorte de cueilleur. De sorte de pasteur. Ah mais attends, il y en a combien là? Attends, eh oh, calm down please. Ich verstehe nicht, was du sagst, du mich. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Attends, trop de choses. Stèle du savoir, il sert à quoi? Leçon de choses, bestia. C'est un Wikipédia en pierre, d'accord. Qu'est-ce que quoi dont est ornicard? C'est quoi, les 12 contes merveilleux? C'est quoi ça? Wouah, ce zoom incroyable quand tu fais des trucs. La fiole. Fragment du cœur. Ah, il y a des... On dirait les éléments dans Zelda que tu chopes pour faire... les éléments dans Minish Cap, l'eau, le feu, la terre et l'air. Bon. Vers Musenzidou. Là, par là. On doit aller par là, on doit sortir de la forêt et retourner à Carabas. Carabas a bien changé, tu vas voir. Je sais pas si t'as joué au 1, Shinsuke. Mais si t'y as pas joué, tu vas voir que Carabas n'a rien à voir avec le Carabas qu'on a connu à l'époque. Enfin, à l'époque. Je dirais pas qu'il a bien changé, puisque techniquement, on est avant Ni no Kuni 2, donc là, on est dans le passé. Mais globalement, on est... Je dirais qu'on n'est pas dans la même région, quand même. Hein. Ça ressemble pas du tout au Carabas que j'ai connu. Hein. Envoyons notre petite merde. Allez, Sylvain Durif, à l'attaque. Merde, aïe. Sylvain, tu sers à rien. Ah, ce one-shot. Je pensais qu'il servira à rien, mais en fait, il les a one-shot. Bravo. J'applaudis d'une main parce que dans l'autre main, j'ai la manette. Donc, je vous dirai pas sur quoi j'applaudis, mais bravo. Où est Carabas déjà dans ce bordel? Carabas est très loin. On se déplace très lentement aussi. Mais regardez ces mobs qui tracent quand ils nous repèrent. En plus de nous repérer de loin, ils nous tracent dessus quoi. J'adore quand ce jeu il a autant d'imagination que Pokémon quand il s'agit d'imaginer des monstres. Putain la vache. Bon après on est dans les premières zones, hein. Forcément qu'on les one-shot au bout d'un moment. Hein. Ah, le piaf, ta mère. Le piaf, ta mère, est une race de piaf... Ah oui, mais genre, il m'attaque par derrière, ok. Culé. Blablabla. Je les aurais entendus arriver, normalement. Hein. Même quelqu'un qui est... Qui n'est pas... Qui ne maîtrise pas la magie, les aurait entendus arriver, mais bon. J'ai plus de magie. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Je vais taper avec ma petite baguette de sorcier, là. Tu es un sorcier, Oliver! Oui, si tu ne connaissais pas le jeu, le premier jeu, il s'appelle Oliver, le personnage principal du jeu. Moi perso, j'appelle Oliver Twist, mais bon. À
si on va pouvoir enfin entrer à Carabas, est-ce qu'ils ont gardé la même gueule? Est-ce que la cité a la même tronche que dans le premier? Par contre, on est d'accord, ces paysans, ils attendent depuis déjà... combien de temps? J'espère qu'on n'est pas parti longtemps, parce que les paysans, ils attendent aussi, hein, techniquement, pour entrer. Ah, même lui, moi aussi je suis pas, je comprends rien. Moi non plus. Moi je dirais qu'il est drogué, mais à part ça, ça va. Hein. En fait, ça se trouve, il dit qu'il y a une malédiction, qu'il y a un méchant qui vole les trucs de cœur, tout ça aux gens. Moi je dirais juste qu'en fait, ils sont tous drogués. Hein. Puis il y a l'autre qui fait son. Lui, ouais, lui qui fait son échauffement là. C'est le moment où il lui dit, tu lui demandes, le garde il te répond non, il t'empale, game over, fin du jeu, crédit de fin. Hey, excusez-moi monsieur, je me demandais si vous voulez pas nous rendre un service. J'aimerais bien, croyez-moi, mais je ne crains de ne pas pouvoir vous ouvrir sans l'accord de mon collègue. Ah non, ce n'est pas ça, nous voulons juste prendre un peu de votre enthousiasme. Ah, si c'est bien de l'enthousiasme qu'il vous faut, j'en ai à revendre, prenez-en tant que vous voulez. Merci monsieur. Monsieur Lumi, comment je vais faire pour prendre l'enthousiasme de son cœur? Regarde dans les poches du vieux feuillu, ajoute à ton livre, d'abord il faut que tu lances un sort appelé cœur. Ah, pas de problème. Allez, hop. Vous avez officiellement le cancer. Mais il voit, tout le monde le voit, personne réagit. Why not? Réagissez, bordel! Bonjour, vous êtes dépressif? Si vous voulez, je peux vous acheter une corde et un tabouret. Ce, ça ira plus vite que de transférer une espèce d'énergie chelou d'un gars à l'autre. Mais bon, à part ça, tout va bien dans le meilleur des mondes, quoi. Oh là, tu n'as qu'à... Alors toi-même, tu peux pas te tromper, alors vas-y. Rends au garde l'enthousiasme qu'il a perdu. D'accord, c'est parti. Merde, c'est vrai que les joysticks ne marchent pas. Heureusement que c'était pas des... Heureusement que c'était pas deux ronds qu'ils ont mis en bas et plutôt un triangle, hein, parce que ça ferait une forme très bizarre. On a l'enthousiasme. Mais est-ce que c'est consommé... En fait, une fois qu'on l'a, on le prend qu'une fois et on le consomme? Ou est-ce qu'on l'a pour tout le temps? Ou pas. Alors c'est pour ça que tu faisais des pompes juste à côté de lui et que t'as pas bougé ton cul quoi. Les autres, ils bougeaient pas leur cul, ils attendaient. C'est comme ça. Oh, ok, bon. Il s'appelait Crochetier Candide, d'accord. Bah écoute, tu n'as pas de nom, c'est très bien. Je ne sais pas comment te remercier, mais je suis sûr que tu recevras une belle quantité de tampons pour ton acte héroïque. De tampons? J'espère qu'on parle pas des trucs que les nanas utilisent. Ce serait très bizarre, non? Mais de tampons, mais c'est quoi cette... J'espère... Belle quantité de tampons. Ah ouais, j'avoue qu'à part, à part le sens là, je vois pas. Ou alors il y a un truc qu'on tamponne, là, comme sur les passeports, mais... Ouais, c'est très bizarre. Ah bah voilà, il va dire. Tu veux dire que tu m'as aidé sans même penser aux tampons, que ça te vaudrait? Tu as bien une carte de mérite, non? On s'en sert pour collectionner les tampons offerts en récompense lorsqu'on a aidé quelqu'un dans le besoin. Si tu n'as pas cette carte, tu devrais te rendre chez Quête Express. Machin s'appelle Quête Express, tout va bien. En ville pour t'en procurer une. Mais écoutez-moi radoté, il faut que j'ouvre ces portes. C'est pour ça que tu attends, n'est-ce pas? Oui, s'il vous plaît, monsieur. Joyeux, on peut enfin rentrer. Entrez. Ok.
Carabas, le château du roi chat. Ah bah oui, c'est vrai qu'on était à, on est à l'époque des rois chats, quoi. J'oublias. Nous sommes à Carabas. Ah merde, je me suis trompé de voix. Nous sommes à Carabas. Oui, on y est, mon petit... Il y a eu quelques petits imprévus en chemin, je dois le reconnaître. Mais tout est bien qui finit bien. Tout est bien qu'il y a une fin. What? Ça peut en faire fantasmer plus d'un des tampons de meufs, j'en suis sûr. Ah ouais, bah c'est pas mon cas en tout cas. Moi je m'en passerai bien. Et puis j'avais l'intention de t'emmener voir le vieux feuillu tôt ou tard de toute façon. Alors on continue, la chasse à baguette, le roi d'ici connaît un ou deux sorts. Voyons s'il peut nous aider, tu veux. Par contre j'ai pas envie de connaître des gens qui fantasment sur des tampons de meufs, hein, sans déconner. J'en suis pas à ça. Et d'ailleurs, Shinsuke, comme ça fait un moment que t'es pas venu, tu remarqueras que j'ai enfin enlevé le décalage de 20 secondes que je mettais avant. Même, avant je mettais à 30 secondes, je suis descendu à 20 secondes, maintenant je suis descendu à 3 secondes de décalage. Un roi ? Vrai de vrai ? D'accord, je suppose qu'on doit se diriger vers ce grand palais là-bas alors. Non mais attends, mais genre tu peux pas rentrer chez les gens, enfin dans un royaume que tu ne connais pas, aller voir le roi et lui dire mon poteau, donne-moi des sorts. C'est pas possible. Ok, ça n'a rien à voir avec le Carabas que j'ai connu, en tout cas. Le Carabas... T'étais dans le futur. Oui, c'est ça, en fait, à l'époque, j'étais dans le futur. Ah, les cinématiques de Ghibli. On voit que c'est des cinématiques parce que les FPS ont diminué. Alors, pour ceux qui... Oui, parce que tout comme tu viens d'arriver... Le premier jeu, les cinématiques ont été faits par les studios d'animation Ghibli, tu sais, Miyazaki, tout ça. Très à la mode, t'as vu ta tenue? T'as une chemise jaune, absolument jaune pisse. Rentrer dans ton pantalon, donc c'est ridicule. Des bretelles, c'est ridicule. T'as un pantalon trop court, c'est ridicule. Des chaussettes rouges, encore plus ridicule. Et des chaussures, bah ça colle pas au reste, quoi. Laisse tomber, t'as une tenue nulle. Il faut vraiment, c'est bizarre, mais c'est tout ce que j'ai. Bah, c'est... Mais j'ai aucun goût dans la mode. Alors on va devoir t'en acheter d'autres. Y a plein de boutiques ici, Carabas, mon pote. L'une d'elles doit bien en avoir. Oh non. Je suppose qu'on trouvera une boutique où m'acheter une nouvelle tenue. Je le souligne en rouge parce que comme si c'était pas assez obvious. J'adore l'obviousité du truc, quoi. Alors c'est pour ça que tu t'es arrêté juste devant la boutique au lieu de faire les 20 mètres qui te séparaient de la boutique d'un endroit où t'as fini la cinématique, tête de gland. Mon dieu, cette tronche. Change aussi de slip et de chaussettes. Bonjour madame, excusez-moi. Est-ce que vous vendez des vêtements de ce... Je veux dire des vêtements normaux. Des vêtements, mon petit bonhomme. Ouh, j'ai bien peur que nous n'ayons pas en réserve en ce moment. Ne dis pas ça, mamie. Vous avez vu comment il est salopé, le gamin. C'en est gênant. Lui, trash talk, hein. On le regarde de travers partout où on passe. Il est en train de ruiner ma crédibilité. Oh, une fée. L'autre fois, il y en avait partout. Mais je parie que de nos jours, les enfants ne savent même plus que vous existez. Non, m'en parlez pas, les gamins de nos jours, les irrespectueux total, ignorants et mal élevés. Pas comme ce que je venais de faire avec l'espèce d'arbre mojo tout à l'heure. Ils ne reconnaîtraient pas une fée même si on leur montait sur le bout de nez. Pas comme vous, hein, madame. Bon, sinon, pour ces vêtements. Oui, laissez-moi réfléchir. Maintenant que j'y pense, un voyageur a laissé une tenue ici il y a bien longtemps. Il avait acheté une nouvelle tenue et donc laissé l'ancienne derrière lui. Ça a une forme humaine, grosso merdo, et bon marché, ça va de soi. Impec, on l'apprend. Mais monsieur Lumi! Oui, je me souviens maintenant, c'est celui qui avait... Oui, il a dit que c'était des vêtements spéciaux coupés dans une toile tisse à partir de fibres de l'arbre céleste, si je me souviens bien. Ravissant, confortable, extrêmement résistant et très rare. Le seul problème serait la taille, je crois. C'est toi qui les portes, trésor. Il me faudrait quelques heures pour les reprendre un peu. Il serait beaucoup trop grand pour toi, sinon vous pouvez revenir demain matin? Bien sûr que oui, mamie. Qu'est-ce que tu dis de ça? Si c'est pas de la veine... Génial, merci beaucoup, madame. Ouh, c'est un plaisir, mon bonhomme. C'est tout pour l'instant. À demain. Et pas à trois mains. Ok, j'arrête le stream après cette blague. J'aimerais bien,
J'aimerais bien aller voir le rat tout de suite, mais on peut pas rentrer tant que cette histoire de vêtements n'est pas réglée. J'imagine que non, mais qu'est-ce qu'on va faire demain? Tu crois qu'on peut tenir une lanterne aussi nous les hommes sur le bout? Eh ben écoute, si t'es assez musclé... Ça doit être chiant en vrai, hein, quand on y pense. Que ce soit au pif ou autre part. Hein. T'imagines la nuit, tu te balades, et tu sais où tu peux te repérer grâce à ta... Voilà quoi. Non mais c'est d'un ridicule. Je sais, le garde ou la porte a parlé d'obtenir une espèce de carte dans une boutique que de là. Ma quête express ou un truc comme ça, il a dit quête express. Il a donné comme nom la boutique dans laquelle on vient d'entrer, les boutiques, c'est celle de la vieille chouette. Ça se tente. Eh ben écoute, on va concocter un produit ou une lanterne adaptable au niveau du pénis et on va se le mettre comme ça dans la nuit. Comme ça la nuit par exemple, si tu dois aller pisser la nuit, tu sais où tu vas quoi, tu peux te diriger. Si c'est pas malin ça, ça doit faire mal de faire percer ici. On perce pas à ce niveau là en plus. En plus ça doit pisser le sang, comme pas, sans mauvais jeu de mots. Si c'est pas malin c'est ça, c'est... Je savais qu'il y avait mis un truc avec la vitesse bien jouée au lit. Les boutiques ont des drôles de noms par ici. Trop, elles sont baptisées selon leur apparence et tout. Quoi qu'il en soit, allons chez Quête Express, tu veux bien? Allons chez Quête Express. Se faire percer quelque chose intime. Je vois pas le rapport entre le mot quête, entre l'appellation Quête Express et la gueule du bâtiment, tu vois. Oh putain. Oh, bienvenue chez Quête Express, là où les gens dans le besoin voient leurs soucis s'envoler et où les personnes de bonne volonté acceptent d'accomplir des tâches pour rendre le service. De quel genre de tâches a-t-il, monsieur? Je ne sais vraiment pas, par ma barbe, c'est la première fois que tu viens. Allez, je vais ravaler ma stupéfaction et tout expliquer. Les gens qui ont besoin d'aide accourent vers moi en espérant pouvoir trouver quelqu'un qui se chargera de leurs tâches pour eux. Tout au long de votre aventure, tout en prenant des bâtonnements sur des gens qui ont besoin de qu'on leur tende la main. Et tu auras décidé d'alléger ou non leur tourment en acceptant les tâches que je te confie. Jette un coup d'œil au panneau des petites annonces. Tu pourras y voir une liste de tâches à accomplir. Chez Quête Express, tu peux penser entreprendre des missions visant à éliminer certains monstres. On les appelle les missions de chasseurs de primes. Pour en savoir plus, ouvre le menu principal et consulte ton journal. C'est une guilde avec un tableau des quêtes. Mon journal, d'accord, je crois que j'ai compris. Ton journal te permet également de savoir combien de cartes du mérite tu possèdes. Le gars m'a dit quelque chose à propos des cartes, mais je ne crois pas en avoir. Oh, tu n'as pas de carte dans ce cas, remédions rapidement au problème. Garde cette carte du mérite en lieu sûr, parce que même si elle ressemble à un jeu à gratter made in française des jeux, tu en auras besoin pour collecter des tampons lorsque tu termineras des tâches. Une fois que tu auras rempli quelques cartes, tu pourras les échanger contre des récompenses. Par contre, on fait pas l'euro million ici. Tu n'as qu'à te rendre à la succursale Quête Express la plus proche. Pour remettre tes cartes et à toi les récompenses, c'est une carte de fidélité. Disponible dans tous vos magasins Fnac et magasins participants. Offre réduite à réduction sous condition. Valable jusqu'au 30 septembre. Merci beaucoup, monsieur. Eh bien, sauver les gens, le monde, c'est aussi... Attends, quoi? Sauver le monde, c'est aussi aider les gens, mon petit Oli. Ah merde, c'est pas le vieux. Mais avant, il faut qu'on se lance dans les bonnes actions. Il faut que tu aies la tenue qui va bien, la Mamibou. Mon dieu, ce nom... Putain, ce jeu de mots, quoi. Les jeux de mots de ce jeu sont magnifiques. A dit qu'elle serait prête demain. Alors j'imagine que la meilleure chose à faire serait d'aller passer une bonne nuit au Potron Minet. Voilà, j'applaudis encore une fois de manière subtile. Vous pouvez à présent accéder au journal depuis le menu principal. Bon, allez, on se casse. On a rien à foutre ici. Allons dormir en plein milieu de journée. Parce que regardons les ombres sur... regardons une ombre. Il faut trouver une ombre. L'ombre de notre personnage. Regardez où est son ombre. Pratiquement à côté de lui. Il a une ombre très peu plongeante. Ce qui veut dire qu'on doit être... Ah, il doit être 13h entre... Il doit être entre midi et 13h30. Quand on regarde l'ombre des personnages. Du coup, le mec va aller pioncer entre midi et 13h30. Ce putain de personnage au RSA.
Est-ce que t'as de l'argent pour payer? Parce que moi j'ai perdu tout mon fric quand j'ai perdu contre des monstres. 148 florins, ça devrait le faire. Oh, bienvenue à l'une des auberges haut de gamme du patron Minet, de Bernard Minet. Nous sommes fiers des prix et des prestations que nous offrons. 10 florins pour une nuit. Votre fidélité est toujours appréciée, miaou. Tes habits sont inhabituels, tu es un voyageur, je présume. Dans ce cas, je vous encourage à faire une ronflette dans chacune des auberges que vous creuserez sur votre route. Nous sommes très fiers de nos grands lits confortables, et nous espérons que vous les appréciez autant que nous. Merci beaucoup. Ah, jette un œil à ton almanach du magicien, quelque chose a changé. Si c'est pas utile, ça, les souvenirs de tous les voyageurs qui ont dormi ici ont rempli quelques pages. Oh, si je m'attendais à ça. Et pourquoi pas, hein, c'est un livre de sorts légendaires ou pas? Hein? Un livre de sorts légendaires ou pas? Hein? En tout cas, m'est avis que tu t'en ferais bien de visiter un max de ces auberges. Si seulement les nuits d'hôtel, c'était à 10 euros. Non, mais tu m'étonnes. Tu sais qu'une fois, j'ai passé une nuit, une espèce d'hôtel genre Formule 1, tu vois, c'est un peu les trucs de merde, là, les hôtels de merde. C'était parce que j'étais de passage, hein. Je passais une nuit, puis je repartais le lendemain, de toute façon, c'était... Donc je suis passé dans un hôtel style Formule 1, tout ça, donc l'hôtel l'un des moins chers, c'était à Strasbourg. C'était l'un des hôtels les moins chers du coin de Strasbourg. La nuit m'a coûté plus de 100 boules. Je ne déconne pas, 100 boules pour une nuit dans un machin en plastoc. Alors c'est bon. Le lit était grand par contre, encore heureux. Mais quand même, 100 boules la nuit, c'était horrible. C'était l'une de mes plus grosses dépenses, étonnamment. Ah ! Il a sûrement raison. À Estivanor, vous avez reçu une nouvelle page des régions du monde. Ne t'en fais pas, je connais. Ah bah, à côté de Paris, ça doit être génial, les prix. Non, ce n'est pas ta mère. C'est faux. J'ai passé 5 jours à Strasbourg plus jeune. La semaine m'avait coûté 1000 euros. Tu m'as filé le cancer. Je suis ton père. Je suis sûr que c'est ça. Dans ton cul. La nana qui double la mère elle est très spéciale. Oh, ce slide! Oh, la nana, elle vole! Regarde, elle slide! Pouf! Ce beau slide. Bonjour, jeune homme, quelle belle miaoutounée! Miaoutounée? Putain, j'arrive pas à le dire, merde, dis ta mère. N'est-ce pas? J'espère que tu as bien dormi. Parfait, mais j'imagine que tu vas partir à présent si tu passes devant une autre porte trop mille. Lors de tes voyages, reviens nous voir. Merci madame, à bientôt. Bien mon petit Olivier, retournons à la boutique de la fille chouette, d'accord? D'accord. Ah maman, arrête de chialer, putain. Pleureuse. Victime et pleureuse. On va aller chercher notre nouvelle tenue pour qu'on ressemble enfin à autre chose qu'un putain de mineur dans les années 50 en Grande-Bretagne. Non mais c'est vrai en plus. Par contre, Chronos, t'as essayé de me tuer avec ton 1000 euros la semaine à Stras. Allez, retournons nous habiller. Allez, la vieille pile, la harpie. Bouhouhou, te voici mon bonhomme, tu vas être content, ta tenue est prête. Tip top, tu feras bien d'essayer, hein, Oli? Bien sûr. Je vais t'aller chercher, traiteur. Attends ici, je ne serai pas longue. D'accord, madame, merci beaucoup. J'ai une vague impression de déjà vu. Merde, j'ai fait pause trop tard. Ça ne fait pas un peu tarte? Mais c'est quoi cette expression? Une cape, quand même. Et qu'est-ce que tu racontes, mon gars? Ça te va ravir. Merci, madame. Combien vous doit-on? Bon, c'est bien, tu plaisantes, mon garçon, tu me rends un grand service en m'en débarrassant. Vraiment, vous êtes sûr? Cela faisait des lustres que je n'avais pas fait de couture. C'est un vrai plaisir, mon chou. Je ne veux rien. Mon chou. La vieille, elle te veut, elle te désire.
Tout ce que je demande, c'est de passer de temps en temps, m'acheter un petit quelque... un petit quelque chose. Chose. Comme il est écrit dans le texte. Tu veux bien? Et bien sûr que oui, merci madame, si c'est pas de la même ça, on va qu'on repasse ici une fois ou deux, ou trois. C'est ça. Vous avez obtenu des habits de voyageurs. Vous avez obtenu une tenue venue du futur. Je dis ça, vous allez comprendre, c'est Shanti. Ouais, c'est ça, c'est elle qui va, c'est elle, Shanti. Ça va être la crush d'Oliver. Allez, maintenant on va rencontrer le roi des ananas. Alors, quand je disais une tenue venue du futur, c'est normal. C'est pour la simple et bonne raison que... laissez-moi 2 minutes. Après Chronos, il faudra que je t'envoie un screenshot. Deux minutes. On est d'accord, c'est très ressemblant. Moi, j'ai pas pris la meilleure image, mais... c'est très ressemblant. Mais bon. Allez, maintenant, il faut aller voir le roi... des chats. Tu la débloques en plus de la tenue d'Oliver dans le 2. C'est vrai? Ah, mais peut-être elle me dit vaguement quelque chose. Je crois qu'elle me... Tu l'as débloqué. Tu la débloques ou tu l'as débloqué en plus de la tenue d'Oliver dans le 2? Ouais, je crois que j'avais des... ça me dit vaguement quelque chose, cette histoire. Mais l'originalité était vachement présente quand ils ont fait la tenue d'Evan quand il se barre de son château. Est-ce qu'on peut passer? Ils me disent rien. Ah si. Mes excuses, mais tous les gens du palais sont occupés à retrouver le poisson rouge du roi. Mais t'es sérieux là? Mais... fuck you. Bienvenue à Carbaz, vous êtes sur la route qui conduit au palais royal. Vu votre nom, je suppose que vous êtes des voyageurs. Oui, nous venons voir le roi. Ah, vous voulez une audience auprès du roi Sacha? Du roi Sacha. En avant. Ah, Pikachu. Dracobit. Mais non, j'en peux plus. Arrêtez. Ah non, la Team Rocket. Mais je crains que ce soit impossible de passer pour le moment. Ah, Pikachu. Mais pourquoi? L'un des serviteurs a malencontreusement laissé le poisson rouge du roi s'échapper dans les douves du palais. Ce poisson rouge fait la fierté et le bonheur du roi. C'est une espèce menacée par-dessus le marché. Je sais pas pourquoi le garde est passé d'une voix de tapette à une voix de Rambo. Laisse tomber, j'en sais rien. Je doute que sa majesté serait en mesure de le remplacer s'il venait à le perdre. Mais où ce serviteur avait-il la tête? A mon avis, je pense qu'il en a... il a été raccourci d'une tête aussi, accessoirement. Bref, en ce moment, tout le personnel du château est à la recherche du poisson rouge du roi. Je vous conseille de revenir un autre jour. Bon, très bien, et qu'est-ce qu'on va faire, monsieur Lumi? Dans les douves du palais, hein, si je me trompe pas, elles sont reliées à certaines rivières de la ville. Tu veux dire qu'il aurait pu nager jusqu'en ville? J'imagine que c'est possible, oui. Et si on allait jeter un œil à quelques bassins au cas où, ça ne ferait pas de mal, hein? Non, c'est sûr, j'espère qu'on va trouver ce poisson rouge. Moi aussi, mon petit. Bon, en route pour une partie de pêche. Et on va pêcher des magicarpes dans les fontaines, ma gueule! Où est-ce qu'on peut choper un... Déjà, on va sauvegarder parce que jusqu'ici, c'était très intense. Et très dur. Faisons une sauvegarde. Allons dans cet endroit particulièrement éloigné pour rencontrer des filles de joie. Quand on arrive en ville, Oliver change de slip. Ah bah non, j'avais pas le droit de tenir mon pantalon. Ce n'est pas un point de sauvegarde. Chimère de con. Oh, c'est profond, sa mère.
Il y a un truc qui clignote derrière cette foutue stèle. Bon, moi, bah, j'y repasserai plus tard, on verra bien. On y repassera plus tard, plus tard. Cette statue est l'un des ancêtres héroïques du roi Sacha. Pour cette tour, il est intérieur. Attends, tu me dis que ce truc, que ce gros tas de trucs là, il est plus prestigieux que le roi actuel? La bonne blague. J'ai pas envie de voir la tronche du roi actuel. Au moins, ce n'est pas un rat. Ha! D'ailleurs, les rats, on n'en voit pas dans la ville, sans déconner. Parce qu'autant les rats, on en voit beaucoup dans le 2, dans la ville de Carabas, ce qui est normal. Mais on n'en voit pas beaucoup, là. Hein. Ça fait bizarre, hein, quand même. Ça fait bizarre de se dire que les rats, en fait, à l'époque de jeu, les rats, là, l'espèce des rats, comme ils s'appellent, les rats, je les appelais les rats parce que j'ai oublié leur nom. Parce qu'autant les Mistigris, je me rappelle d'eux, mais autant les rats, j'ai oublié leur nom. Bah, bref, la race des rats dans Ni no Kuni, dans ceux qui habitent à Carabas, là, cette race-là, elle est en train de se faire persécuter et habite dans les égouts, là, à l'époque où on est dans le jeu, dans le 1. C'est bizarre de se dire ça, quand tu le sais, quand t'as joué au 2 et que tu le sais, et que tu reviens sur le 1 ou que tu joues au 1 pour la première fois, ça fait trop bizarre de se dire ça, quoi. Sautons dans l'eau. Bah. Ah, il saute pas dans l'eau. Oh, il fait Assassin's Creed quand vous passez de truc en truc dans l'eau. Poup, 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 poup. Il a pris ses cours avec Enzo Auditore. Si. Sapristi, la fille. Il faut être ici, celui-là. Je crois que c'est qu'il est parti en direction du palais, mon petit. Il est sûr, le. T'es le mec qui va s'infiltrer dans le palais par les égouts. Why not? Suivons-le. J'ai hâte d'avoir des nouvelles pour Ni no Kuni 3. Ils ont prévu un troisième jeu. En plus du film. Enfin, en plus du film. Avec le film. Enfin, pas forcément en rapport, mais en plus du film, ils ont annoncé le troisième épisode. Ah bah oui, je crois que tu me l'avais dit il y a longtemps. Mais on avait parlé, je crois, vaguement. Enfin, j'ai un vague souvenir de ça. J'ai complètement zappé, je dois avouer. Par contre, il est passé où le poisson rouge? Ah, la stèle, bien évidemment, là où je suis allé dès le début. Oui, le dev avait commencé. Ah bah du coup, on va voir... J'espère que j'aurai fini le... Par contre, il y a toujours un pantalon trop court, hein, par contre. Bah du coup, j'espère que je finirai le 1, le remaster du 1 avant que le 3 sorte, ça serait cool. Récupérons ce foutu poisson rouge. Poisson rouge qui est vachement gros pour un poisson rouge, hein. je dis tout. Hein. Par contre, il est plus... Mets-le dans un bocal rempli de flotte, il va crever là, ton machin, là. Non mais... mais remettez-le à la flotte, il va clamser le poisson, là. Tu sais, tu vas lui rapporter le cadavre de son poisson rouge préféré, le roi, il va te couper la tête. Oh, 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 désolé, mais nous n'avons pas toujours la... Vous parlez de celui-ci? Nous sommes venus rapporter son poisson au roi, monsieur. Seigneur, je reconnaîtrai les tons écarlates du royal poisson rouge entre tout ça, alors. J'imagine qu'il n'est pas passé par les eaux des égouts pour nager jusqu'en ville. Croyez-vous que je dois tout de suite avertir les autres gardes? Ah, si je me souviens bien, vous étiez... C'est exact, nous devons faire le roi. Oui, mais dans son état actuel. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? On peut dire ça. Vous ai-je dit que la personne chargée de s'occuper du poisson rouge du roi l'avait laissé s'enfuir? Au palais, tout le monde est devenu terriblement mou ces derniers temps, au point que nous devons demander l'aide des voyageurs de passage, comme vous le savez. Je ne devrais pas sans doute pas vous le dire, mais le roi lui-même est l'indolence incarnée. On dirait qu'il déteint sur ces sujets. L'indolence, c'est comme la paresse? Malheureusement, oui. Peut-être que retrouver son poisson rouge adoré lui donnera le coup de fouet dont il a besoin. Entrez donc. Et voilà, parti pour voir le roi. Allez, viens, mon petit. Allez, c'est parti, on va aller voir le roi. Attention, c'est animé sur 2 frames encore une fois. Putain, ce gros tas de merde. Ah, ce gros tas de merde! Il a rien à voir avec le chat, avec le chat qui est toujours... Avec le roi,
Ce gros machin là, c'est le... Non, c'est pas moi. Non mais il faut se dire que ce gros machin, qui est ce gros tas de merde, qui est le roi de Carabas là, c'est l'ancêtre d'Evan. Hein. Ce machin là, c'est un ancêtre d'Evan, ça. Ah, par contre, il est plutôt vif quand même pour un roi. Oui, la salle du trône n'a pas changé par contre. C'était quoi ce chuchotement de la part d'Oliver? Ah, ce roi au RSA. Ah putain. Un abonné Netflix. Alors comment on fait pour obtenir un baguette maintenant? Il doit y avoir quelque chose de pas net chez notre royal ami. Il a le cœur brisé ou alors mon cerveau est en miettes. Il manquait d'enthousiasme apparemment. Et comme lui a le cœur brisé, tout le royaume est tiré avec lui vers le bas. Qu'est-ce qu'on attend? Allons chercher le fragment de cœur qui lui manque. Sapristi, on n'a pas besoin de te pousser, hein. Le garde de l'extérieur de la ville nous manquait lui aussi d'enthousiasme, non? T'as raison, Dioli, comme je disais, je crois que l'état actuel du roi tire tout le monde vers le bas. Mais le garde devrait en faire un peu de son propre enthousiasme pour aider son ami. On devrait aller lui en redemander. Non, mon gars, ne fais jamais ça, mon dieu, oh là là! Il existe une règle importante lorsqu'on demande aux gens un fragment de leur cœur. Ah oui, c'est quoi? Tu peux pas leur reprendre deux fois. Deux fois le même fragment de cœur, une même personne, si on prélève rien qu'un tout petit peu de surplus. Si on ne prélève qu'un tout petit peu de surplus, ça, on ne risque rien. Quoi? C'est quoi ce dialogue de merde, là? Il m'a pas... Pourquoi ce serait dangereux, alors? Pourquoi on peut pas aller le récupérer? C'est quoi cette merde? J'ai mal lu le dialogue, c'est pas possible. Carabas n'est pas un petit village. Non, mais il y a que 3 zones, ça devrait suffire. Immense, j'irai pas jusqu'à là, hein. Merde, le retour du bloc de Tetris. Ah, en plus, c'est une meuf. Vous sembliez perplexe, mes jeunes amis. Je me suis dit que vous pourriez avoir besoin d'un peu de mes vastes connaissances. Merci, c'est vraiment gentil à vous. En fait, nous avons besoin de trouver quelqu'un qui pourrait nous offrir un fragment de son cœur, mais nous ne savons pas comment trouver cette personne. Élémentaire, mon cher Oliver. Dans ce genre de situation, tu n'as qu'à surveiller ta fiole. Dit comme ça, c'est très drôle. Surveiller ta fiole. Je vais le redire encore une fois, vous allez comprendre. Surveillez ta fiole. C'est qui ta fiole? Je vous laisse 5 minutes pour réfléchir à cette blague. C'est bon, c'est fait. Allez, on y retourne. Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, non seulement la fiole peut contenir des fragments de cœur, mais elle est aussi très sensible à leur proximité. Elle luise lorsqu'il y en a tout près. C'est un radar. Alors on peut s'en servir pour trouver de l'enthousiasme, mais c'est ça. Laisse-moi t'en dire un peu plus sur cette fiole que tu portes. Parce que tu es une tafiole. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une tafiole, c'est un PD. Hein. Tu verras qu'elle a la manie de luire intensément de temps à autre. Alors par contre, je tiens à me préciser, avant de continuer, c'est pas pour être méchant envers la communauté homosexuelle ou quoi que ce soit. C'est juste que tafiole, c'est un nom plutôt péjoratif, un peu comme PD d'ailleurs. Pour désigner des homosexuels, voilà. Tout simplement. À ce propos, les personnes ayant un fragment de cœur à offrir luisent également d'une belle couleur verte sur la mini-carte en haut à droite de l'écran. What? C'est quoi ce brisage de quatrième mur, là? Est-ce que t'as déjà vu quelqu'un dans la vie de tous les jours? T'arrives comme ça, tu te balades en ville, par exemple, tu vas t'acheter, je sais pas moi... Tu vas au bar, tu commandes une bière, et là, le serveur, il te dit « Vous pouvez voir la monnaie qui vous reste grâce à votre inventaire dans le menu principal. » Mais what? Personne dit ça. Ça, c'est le brisage du quatrième mur, les enfants. Génial! Génial, un brisage de quatrième mur! Merci Kojima!
Je suis sûr qu'il y avait Kojima qui arrivait dans le développement du jeu, il a dit « mais cette phrase ». Oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Kojima, le mec qui a fait les Metal Gear, oui, qui est un grand mec qui fait beaucoup de jeux vidéo, Kojima, c'est le spécialiste du brisage du quatrième mur. Cela ne t'indique pas quelle est la vertu de la, que la personne a un excès, mais cela sera normalement extrêmement utile. Bah, de toute façon, on peut les stocker les excès de toute façon, donc au pire, on s'en fout, on lui en prend et puis basta. À présent, hisse la grand voile. Je tiens à rappeler que hisser la grand voile, hisser le mât, c'est une métaphore pour dire qu'on bande, hein, qu'on a une érection. Donc c'est très bizarre d'utiliser cette expression pour Oliver. Bordel. Et en route pour trouver ce fragment de cœur, jeune aventurier. Merci infiniment, madame la salle du savoir. Oh, et si jamais vous deviez toutes deux avoir besoin de mes connaissances, sachez que je suis entièrement à votre service. Au revoir, mes amis. Cette suggestion lubrique. Très bien, mon petit Oli. Jetons un œil dans le coin pour trouver quelqu'un avec un peu d'enthousiasme à offrir, tu veux. Si tout d'un coup ta fiole se met à luire, c'est qu'on est sur la bonne voie. Compris, allons-y, monsieur Louis. De toute façon, j'ai un objectif de quête. Par contre, ça fait 2h48. Moi, je crois que j'allais faire une pause pour le découpage des VOD, sinon ça va faire trop long. Allez. Aucune femme pour Oliver, il est déjà en érection. C'est ça. Bah si, après, il est en érection devant la stèle. Mais bon, après, c'est dur, hein. Enfin, c'est dur, oui, dans les deux sens du terme. C'est... Putain, très mauvais choix de mots. Allez, petite pause pour le découpage à VOD, parce qu'on est à 2h48, ça fait que là, la VOD, elle va durer 1h10 au moins. Donc on va découper, on va faire une petite pause pour découper mieux la VOD. Allez, pause en 3, 2, 1. On se retrouve dans 5 minutes. Allez, c'est parti.